Georges Iatrides, grec d'origine, est grenoblois depuis 48 ans. Mais Georges Iatrides est peu connu en France. Pourtant, plus de 300 de ses toiles sont disséminées aux États-Unis d'Amérique, où Iatrides est qualifié de peintre unique et de pure individualité, présentant un point de vue. René Char a dit de lui qu'il était un peintre hors du tumulte. On a voulu associer sa démarche à celle de De Chéricault, et même à celle de Dali. Mais Georges Iatrides ne partage ni l'angoisse métaphysique du premier, ni l'exhibitionnisme du second. C'est à une autre problématique que répond le peintre. Une réponse personnelle aux questions qu'avant lui, Gauguin a déjà posées. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Pour arriver à cette réponse, quasiment gravée dans chacune de ses toiles, Iatrides a dû parcourir un itinéraire tourmenté, passionné, douloureux, exubérant peut-être, mais enfin rigoureux, avec une intransigeance foncière. C'est dire qu'il a dû s'imposer tous les renoncements, renoncement à la facilité, renoncement au conventionnel aussi bien qu'au pseudo-modernisme. Iatrides veut peindre pour son temps et même pour demain. Placé au premier rang des peintres de l'école graphique du XXe siècle, Iatrides s'en est détaché dès 1963. C'est encore un renoncement de plus. Renoncement cette fois à une ambiance colorée, à des cernes qui donnent le volume. Iatrides, au contraire, veut totalement maîtriser l'espace coloré, apporter une sonorité harmonieuse à l'ensemble grâce à une saturation lumineuse de chacun des plans et grâce aussi à ce graphisme qui crée les volumes sans avoir à recourir à l'ombre. Les sillons creusés dans la pâte même irradient la lumière extérieure. On mesure mieux ainsi ces renoncements déchirants qui ont conduit Iatrides à se dépasser, à se renier presque, pour aller à contre-courant. Lui qui avait cédé avec joie, avec violence même, à cette expression spontanée dans le fauve autour des années 50. Sacha Burmeister, son ami de toujours, témoin fervent de son évolution créatrice, analyse l'univers pictural de Georges Iatrides. Alors je pense qu'actuellement, véritablement, nous avons le Iatrides qui a acquis d'abord une technique absolument extraordinaire que la plupart des peintres de notre époque ne possèdent pas. Depuis, disons, une dizaine d'années, il peut maîtriser et jouir pleinement de sa peinture, et ça a transformé évidemment son caractère, parce que cette espèce de plénitude qu'il atteint dans son art se manifeste dans son comportement. Quand on contemple un tableau comme par exemple Ézéchiel ici, on éprouve un sentiment de d'admiration, une admiration peut-être un petit peu faite aussi d'interrogation. Cette toile fascine, mais on ne sait pas pourquoi. Or, il faudrait prendre cette toile et pratiquement la dérouler. La dérouler parce qu'il y a un espèce de jeu de questions et de réponses à chaque moment, que ce soit dans la représentation de ce personnage d'Ézéchiel ou du mur de Jérusalem ou de ce paysage absolument dépouillé, dénudé, d'où toute trace de vie s'en va absente. Il y a un ensemble d'éléments qui pourraient reconstituer presque une histoire de la peinture telle que Georges Iatrides l'a reconstituée dans son imagination, parce qu'en dehors de sa peinture, c'est d'abord un érudit, ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans un art naïf et laisse parler son cœur, n'est-ce pas, il ne le voudrait jamais, c'est pour lui vraiment l'abomination extrême, n'est-ce pas, le naïf, c'est le contraire de la peinture de Georges Iatrides, hein. C'est au contraire un esprit qui se veut esprit universel, encyclopédique, baigné de connaissances aussi bien dans le domaine religieux que dans l'histoire et dans la technique picturale, qui s'intéresse au développement des sciences. Je ne dis pas qu'il fasse de la science-fiction, bien au contraire, ce qui l'intéresse, lui, c'est l'évolution de l'humanité, l'avenir de notre société. C'est pour cela qu'on pourrait, à partir de à la peinture de Georges Iatrides, procéder à une analyse sémiologique qui serait à la fois une analyse à caractère, disons, diachronique,
c'est-à-dire une histoire de la peinture, toutes les tentations qu'ont éprouvées les peintres dans tel ou tel domaine, et qu'ils ont plus ou moins assimilé, plus ou moins accepté ou rejeté, et ensuite l'attitude de Georges Atrides à chaque élément, déjouant les pièges de la facilité, de la subjectivité, de ce qui a été fait, et apportant sa propre réponse. Les gens qui regardent ces tableaux ont peut-être des réponses, des arguments contraires. Mais, en fait, si on regarde de près, Georges Atrides a déjà trouvé les réponses à des questions que les spectateurs ou les amateurs ne se sont pas encore posées, ou se sont posées d'une façon maladroite. Il a, disons, une ou deux longueurs d'avance. C'est dans cela que sa peinture peut apparaître comme un monde hermétique fermé. Mais ce n'est pas un monde fermé. Au contraire, Georges Atrides aimerait interpeller le monde, discuter avec son public. Georges Atrides voulait s'exprimer avec la couleur. Il s'est vite aperçu qu'elle ne pouvait seule donner la lumière. Il a alors commencé à construire avec le trait, simple exercice graphique, qu'il abandonne insatisfait. Pourtant, Atrides sait d'instinct que pour maîtriser la lumière, il lui faut organiser sa peinture autour du trait, ce qu'il appelle sa grammaire à lui. Il a fallu que je dépasse tout ça. Il a fallu que je maîtrise d'abord le trait, qui est la source de toutes les sciences, puis que je puisse passer ensuite à la matière véritable, c'est-à-dire dépasser simplement le papier qui risque de souffrir, de s'éteindre dans les civilisations, de dissoudre, de devenir de la poussière. Il a fallu que je cherche des matières qui résistent au temps. Et puis, par ce graphisme que j'ai voulu plein par lui-même, sans ombre, c'est-à-dire créer, rien que par le trait, le volume, me libérer par la matière et créer cette lumière qui est absolument, qui existe par elle-même, même lorsqu'il n'y a pas d'ombre. Tu comprends, parce que la lumière qui vient du soleil, elle existe même si tu ne mets pas un objet pour arrêter son rayonnement. Donc cette libération est une libération totale qui me permet d'exprimer maintenant une grande partie de l'aventure de l'homme en restaurant des valeurs qui ont été arrêtées. C'est une peinture qui déconcerte, d'abord, des femmes, des enfants, des natures mortes dans un décor d'où la vie semble avoir totalement disparu. Si, il y a encore des montagnes qui ont surgi du sol qui est vitrifié, elles sont encore toutes chaudes. Je vous montre que le sous-sol de la planète est encore bouillant de vie et qu'il est, lui, vraiment destiné à survivre tout le temps. Mais que la Terre elle-même a été... elle a cet aspect vitrifié parce que l'homme l'a assujetti et exploité à fond. Alors évidemment, il n'en reste plus de traces de végétation. Par contre, cet assujettissement de cette matière par l'homme me permet à moi de faire une nature morte qui se trouve dans un paysage, c'est-à-dire l'homme n'a plus besoin d'ouvrir une fenêtre ou une porte pour sortir de son domaine, pour aller vers l'infini, vers l'horizon. Et ça, c'est très très important. Ce n'est pas la mort d'une planète, au contraire. C'est l'instant où l'homme va communier avec la matière, et cet instant où il est tellement proche de cette matière à laquelle il ressemble beaucoup, qu'il va être le plus près de Dieu. Pourquoi pas de pupille aux yeux? Mais les yeux... Mais si, j'ai accentué cette mécanique extraordinaire d'une sphère qui tourne dans un logement. C'était absolument extraordinaire de penser que tout ce qui a été prévu pour que tout fonctionne, cet œil qui ne peut exister que voyant quelque chose, l'œil en train de se former, est une chose qui était inexplicable pour la biologie. C'est une chose qui a donc existé pratiquement de toujours. L'œil est fait pour voir. C'est extraordinaire. Il a perdu sa couleur parce que la couleur du temps. Il a perdu la couleur du temps, mais il a gardé sa couleur de chair. Il est là, il nous regarde. Il a gagné la sagesse, n'est-ce pas ? Et cette sagesse, c'est la sagesse ou du premier jour ou du dernier. L'enfant n'est pas fait pour l'ébauche, absolument pas. L'enfant est fait pour les choses finies, il a besoin de cadres. Et l'homme qui grandit a besoin aussi de cadres, bien sûr, d'un cadre de plus en plus grand.
de plus en plus infinie, mais toujours cette construction qui est vitale pour tous, c'est-à-dire un rythme ordonné qui montre que l'homme est fait pour bâtir et non pour détruire. Donc dans ma peinture, ce que j'offre aux jeunes, c'est l'espoir de l'absolu, c'est-à-dire cette recherche de la non-mort. Parce que l'homme est fait pour ça. La pensée humaine, la grande pensée, c'est justement de remettre en question cette chose extraordinaire, à savoir si nous sommes vraiment des mortels, c'est-à-dire si nous sommes des végétaux, ou si nous sommes bâtis pour être immortels. Héritier des vieux maîtres flamands, florentins ou vénitiens dont il a retenu avec émotion les éternelles leçons, peintre pour demain, Georges Iatrides continuera d'interpeller le monde avec rigueur, avec obstination, afin, comme l'a dit Christian Galli, que le monde jamais ne se colore de rouille.